Il se nomme Jouan Kopti, c'est un arabe israélien de 22 ans et il représentera son pays, Israël, au prochain championnat d'Europe de natation. Le jeune athlète revient pourtant de loin puisque la fédération israélienne a d'abord refusé sa candidature, jugeant que ses performances étaient en dessous des critères de sélection pour une compétition officielle. Mais Jouan Kopti a fait appel de cette décision et la justice lui a finalement donné raison. L'intéressé s'est dit très heureux de ce dénouement, outre une bonne performance au championnat d'Europe de natation, qui débute ce lundi jusqu'au 27 mai prochain, le jeune Jouan vise surtout une qualification aux Jeux Olympiques de Londres. Golan Telecom. Ce nouvel opérateur de téléphone portable inonde le marché israélien depuis mardi matin, avec à sa tête Michael Bokobza, l'ancien directeur de Free. Son objectif, révolutionner le marché du téléphone mobile en Israël. Et pour y parvenir, il propose une offre écrasant la concurrence avec un forfait illimité de 99 shekels, soit l'équivalent de 20 euros par mois. L'offre comprend également des appels gratuits vers près de 29 pays à travers le monde. Dans cette affaire, Michael Bokobza, ou plutôt Golan, le nom qu'il a adopté en s'installant en Israël, reproduit le modèle proposé en France par son ancien associé Xavier Niel. Face à cette stratégie marketing agressive, on attend désormais la réponse des autres opérateurs de téléphones mobiles israéliens. Cellcom, pour ne citer que lui, aurait déjà perdu en quelques heures 10% de ses abonnés. Il l'a annoncé mardi soir sur le site officiel du club. Yossi Ben Ayoun quitte l'équipe londonienne d'Arsenal. Après un début de saison difficile sous le maillot des Gunners, le milieu offensif israélien avait fini par s'imposer dans le 11 titulaire d'Arsène Wenger. En fin de contrat, Yossi Ben Ayoun réfléchit désormais à la suite à donner à sa carrière. À 32 ans, et après un passage à West Ham, Liverpool et Chelsea, la star internationale israélienne pourrait être tentée par un retour dans son pays. Par crainte du printemps arabe, il n'avait pas osé se rendre en pèlerinage en Tunisie. Mais au Maroc, où les islamistes sont également au pouvoir, des juifs d'Israël n'ont pas eu peur de venir cette semaine vénérer leur grand rabbin, en toute tranquillité. Comme chaque année, quelques 5000 juifs, la plupart d'origine marocaine, sont venus des quatre coins du monde pour rendre hommage aux 1200 saints enterrés dans cette terre d'islam, priant au passage pour la paix et la cohabitation entre les deux religions au Moyen-Orient. Le plus important des sanctuaires juifs au Maroc est celui d'Amran Ben Diwan, un rabbin vénéré depuis 250 ans et dont la tombe repose au-dessus des montagnes de Ouazzane. Sous étroite surveillance policière, son accès est autorisé aux seuls Marocains munis d'un laissez-passer, délivré par la communauté juive du royaume. Le ministère du Tourisme a prévu d'investir la somme de 41 millions de shekels pour développer la ville d'Eilat en 2012. Cet investissement fait partie d'un plan de 5 ans décidé en 2010 par les autorités et qui vise à exploiter le potentiel touristique de la station balnéaire israélienne. Dans ce programme quinquennal, qui s'achèvera en 2014, les ministères du Tourisme et des Finances ont été mis à rude épreuve, mais également la municipalité d'Eilat qui aura débloqué un total de 103 millions de shekels. Ce budget doit servir au développement de nouvelles infrastructures touristiques et à la modernisation de celles déjà existantes. Cette année, la ville a été associée au slogan Eilat Plus. Avec ce branding, la station balnéaire s'apprête à devenir un pôle incontournable. Événements sportifs, festivals de danse, centres commerciaux ou encore parcs d'attractions devraient très prochainement faire leur apparition.